Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer ce que j'ai commandé à la boutique Ellie Klein Wonderland. C'est une boutique qui est spécialisée dans tout ce qui est accessoires pour les bijoux, en fait, pour fabriquer des bijoux. Alors moi, je fais pas tout ça, mais par contre, j'aime bien de temps en temps, quand je fais un planeur ou quand je fais un album, et eh bien rajouter des petits bijoux. Donc on a tout un tas de choses sur son site, donc pour tout ça, à des prix vraiment très attractifs. En plus, les frais de port sont super intéressants puisque c'est quelle que soit la commande, c'est 2,50 €. Et puis bah, écoutez, moi j'ai eu la chance, c'est arrivé super vite. Alors j'ai connu ce site, si vous revenez en arrière sur mes vidéos, à la vidéo de présentation de tous mes lots pour le concours estival 2019 de Clary dans tous ses états, un des partenaires qui nous a offert des cadeaux était donc Ellie Klein Wonderland. Donc elle nous a offert vraiment beaucoup de petites choses. Ça m'a donné envie d'aller voir sur son site. Et puis bah, écoutez, j'ai craqué. Alors il est vrai que j'avais moi l'avantage d'avoir un bon de cadeau de 5 €, mais vraiment, vraiment, c'est vraiment super. Donc tout ce que vous avez, tout ce que je vais vous montrer, donc le montant total de la commande s'élève à 19,53 € frais de port compris. Alors moi j'ai payé un petit peu moins parce que je vous dis, j'avais ce bon d'achat de 5 €. Mais vraiment, pour moins de 20 €, j'en ai vraiment beaucoup. C'est super bien emballé, comme vous pouvez le voir. On a la petite carte. Alors moi, j'ai un petit peu regardé déjà, donc j'ai déballé. Voilà, toujours sa carte à l'intérieur. D'ailleurs, il devait y en avoir une autre, mais du coup, je l'ai retirée. Alors, voilà, je vous montre tout ce que j'ai offert. Je vais essayer d'être tout ce que j'ai acheté, pardon. Je vais essayer d'être rapide. Alors, j'avais eu des médaillons. Des pendentifs médaillons dans les cadeaux que j'ai reçus. Donc du coup, j'ai commandé des dômes en verre. Alors évidemment, il y en a des ovales, il y en a des ronds, il y a plusieurs tailles, puisque ça, je les ai commandés spécialement pour ce qu'elle m'avait offert. Voilà, là, il y en a des ronds et un petit ovale, donc des tailles différentes. Voilà, donc ça, j'ai commandé. Alors au niveau prix, on est entre 6 centimes et 25 centimes pour le plus cher. Donc vous voyez, vraiment, c'est hyper hyper intéressant. Alors je vais pas vous donner tous les prix parce que j'ai vraiment beaucoup de choses, mais allez voir, c'est super. Alors j'avais eu des petits Staps comme ça en couleur turquoise, et j'en ai recommandé parce que ça, c'est super pour faire des attaches pour le téléphone ou pour les bijoux de planeur ou n'importe. Enfin voilà, je trouvais que c'était très pratique. Donc j'en ai commandé donc en rose, en noir et en blanc. Je ne sais plus combien il y en a. Je crois qu'il y en a 5 par sachet. Ensuite, j'ai commandé des supports en porte-clés. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais ouvrir. C'est avec le reflet du sac. Voilà. Donc c'est comme ça. Oups. Il est parti. J'ai commandé dans le même esprit ceux-là. Alors, qui ne sont pas à anneaux, mais si j'arrive à vous ouvrir le sachet. Eh ben dis donc, j'ai du mal. Voilà. Donc, je suis hors champ, pardon. Donc, on a la petite chaînette. Et voyez, l'ouverture se fait ici par un petit. Voilà. Si vous voyez bien. Ensuite, alors ça, toc toc, j'en ai un deuxième. Donc, ça, ce sont des griffes de deux tailles différentes. Ça, c'est super quand on pour des rubans par exemple. Voilà. Ça, c'était un deuxième lot de porte-clés. Ensuite, alors j'ai commandé une bague. Ouais, il faut vraiment que je vous sorte tout. Voilà, une bague qu'on peut soit garder comme ça, soit bien customisé, puisque sans vous pouvez rajouter éventuellement quelque chose. Donc avec de la pâte polymère, ça peut être très sympa. Ensuite, on a des feuilles. Donc ça, c'est super pour des décorations d'albums. Là, on a le petit lapin d'Alice. Non, vraiment, vous ne voyez rien. Je crois que je vais être obligée de faire une petite pause et de vous retrouver avec tous les sachets déballés. Voilà, j'ai tout déballé. Donc, je vous montre. Alors, je vous remontre les porte-clés. Donc, le premier, le second. Ensuite, donc, je vous remontre la bague. Alors, en fait, tout est réglable. Hein. Ce sont des bagues. Attendez, je vais la mettre, ce sera plus facile. Ce seront des bagues réglables. Voilà. Donc, ça va à tous les doigts. Vous
J'en ai pris une seconde. Voilà, qui est là, donc à double plateau. Alors ça, c'est vraiment pour faire des incrustions. Alors soit des incrustations, pardon, soit en rajoutant, voilà, des petits dômes, soit en mettant de la pâte Fimo. Alors les dômes, donc je vous ai dit, le prix c'est entre 0,6 et 25 centimes. La bague filigrane, donc celle-ci, pardon, celle-ci, elle est à 36 centimes. La double plateau, elle est à 55 centimes. Je vous ai montré les petits straps tout à l'heure. Ils sont à 60 centimes les 10. Ensuite, les porte-clés anneaux. Donc, c'était celui-ci. Là, on est donc pour les 5 à 50. Les 5 porte-clés anneaux à 50 centimes. Les porte-clés coulissants. Donc, ça, c'est ceux-là. Là, on est à 80 centimes les 2. Ensuite, j'ai pris, alors ça c'était en promotion, les breloques, ça s'appelle breloque baby, donc c'est dans les deux sens, hop, je vous la retourne, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, là donc ça c'était en promo, c'était 1,80€ les 40. Ensuite, on a le pendentif goutte, alors ça c'est pareil, c'est évidemment à utiliser avec de la pâte Fimo. Voilà. Alors, le pendentif goutte, c'est 45 centimes. On a dans le même esprit le pendentif chat, qui est vraiment très mignon, à 57 centimes. Ensuite, on a trois breloques. Oups, elle ne veut pas tenir celle-là. Alors, je vais essayer de vous la montrer comme ça. Alors, trois théières. On peut même la laisser debout. C'est marqué Tea Time dessus. Voilà, les recto verso. Donc là, les trois, elles étaient à 45 centimes. Ensuite, nous avons breloque fraise. Donc ça, c'est plat hein, d'un côté. Ça, c'est 45 centimes les 4. Dans le même esprit, on a les breloques cerises. Alors là, ici, dans les feuilles, on peut rajouter de la pâte pour faire comme des petits diamants ou en tout cas on a les emplacements pour. Alors les cerises, c'est pareil, 45 centimes les 4. On a également le bonbon, alors lui qui est recto verso. Voilà, et là on est à 45 centimes, c'est pareil les 4. Ensuite, on a breloque trèfle qui est ici, pardon, je suis pas du tout en face. La breloque trèfle est 3,50 centimes. Les 4 breloques plumes que voici 45 centimes. Nous avons 8 estampes feuilles. Oups. Voilà, pour 45 centimes également. Toc toc toc, on a la breloque colombe qui est là. Alors elle, c'est pareil, c'est plat hein. C'est que d'un côté, je vais y arriver. La breloque colombe, voilà, il y en a donc 4 pour 45 centimes. Nous avons le petit chat joueur, je l'ai perdu, il est là. Donc lui c'est plein, donc c'est recto verso, voilà. Et le petit chat joueur, il a 50 centimes, je crois, les 4. Je l'ai perdu, c'est ça. Ensuite, les 4 cages oiseaux, 45 centimes. Je vais y arriver. Voilà. 45 centimes, donc les 4. On a la breloque Teddy qui est là. Alors, c'est pareil, c'est recto verso. Donc, voici le premier. Et le dos, là, on est également à 45 centimes. Toujours 45 centimes pour les 4 breloques horloges. Donc ça, c'est plat, par contre. Derrière, on est, voilà, on a un petit comme ça. Ensuite, on a les horloges, c'est fait. Les 3 petits lapins Alice. Ça, c'est trop mimi. Donc, les 3 lapins Alice, on est à 45 centimes. On a 4 breloques tétines. Alors, breloques tétines, je vais vous la montrer comme ça. Voilà, ça, je l'avais commandé pour un album. Donc, ça, c'est vraiment plein, on va dire. Elles sont également à 45 centimes. Je vais avoir 3 breloques carte postale pour 60 centimes. On a 4 breloques clé de sol pour 45 centimes. Et ensuite, donc je vous remontre, on a
15 petits embouts de gris, donc de 13 mm. Ah non, pardon, ça ce sont les 9 mm. Donc, oups, elle est partie pour 45 centimes. Et alors ça c'est argent. Et là, on a embout griffe normal de 13 mm. Il y en a 15 pour 40 centimes. Donc voilà, alors je vous avais montré hein, donc ceci. Vous voyez, j'ai quand même beaucoup de choses. Ensuite, donc Vanessa a eu la gentillesse de me rajouter. Donc apparemment, il y a des petits cadeaux dans chaque commande. Donc elle a eu la gentillesse de m'offrir voilà, un petit lot de sachets de perles. Ensuite, un support, donc un pendentif support. Donc je vous rappelle que ça, voilà, ça peut aller avec ceci. Je ne vous le présente pas en face, mais enfin vous avez compris un petit peu le principe. Ensuite, elle m'a offert des petits pendentifs étoiles qui sont ravissants. Et ensuite, voilà. Donc ça, pour une page d'album, ça peut être magnifique. Voilà, donc vous voyez, une jolie petite commande avec des petits cadeaux. Enfin, vraiment, tout ça, ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller voir donc son site. C'est Elikla in Wonderland. Je vais peut-être enlever la bague. Donc, Elikla in Wonderland. Et vraiment, il y a des petites choses magnifiques. J'espère que ce petit haul vous a plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite. Au revoir.